Philippe Val, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe La Poste. C'est exact. Alors, vous venez d'annoncer un partenariat avec l'Union des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous nous expliquer en quoi consiste cette association ? En fait, La Poste a de multiples offres pour les auto-entrepreneurs. Et l'idée, grâce au partenariat avec l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs, c'est d'adapter nos offres, qu'elles soient logistiques, de paiement, de financement, de colis, aux besoins des auto-entrepreneurs et d'ailleurs plus largement de tous les entrepreneurs dans notre pays. Alors justement, que peut apporter La Poste à ces créateurs d'entreprises qui ont besoin de soutien ? Je vais donner un exemple très concret. Les créateurs d'entreprises dans le secteur alimentaire vont pouvoir bénéficier du transport logistique avec chaîne de froid grâce à ChronoFresh. ChronoFresh, c'est la nouvelle offre de ChronoPost pour le transport en chaîne de froid. Donc c'est vraiment une nouvelle création. C'est du concret, des offres... Très concrètes. La possibilité aussi de brancher les objets connectés sur notre hub d'objets connectés que nous avons présenté à Las Vegas. Mm-hmm. C'est une offre très concrète pour la totalité des entrepreneurs de notre pays. Alors, j'allais vous parler de Las Vegas. La Poste a invité des start-up sur place. Ça fait plusieurs années maintenant que La Poste travaille avec des plus petites entreprises pour justement innover. Vous avez un événement où vous les réunissez la semaine prochaine, le Lab Postal. De quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce que ça va apporter à vos relations avec ces start-up ? Le Lab Postal, c'est un laboratoire où on travaille sur toutes nos offres. Les offres logistiques, les offres numériques, les offres bancaires. Et le Lab Postal, c'est également le carrefour de nos rencontres avec les startups. Et donc, après avoir invité à Las Vegas 15 startups numériques dans l'équipe IoT France, c'est-à-dire l'Internet des objets, nous leur permettons, dans le Lab Postal qui aura lieu rue de Vaugirard le 8 et le 9 février prochain, la semaine prochaine, de montrer à la fois leurs initiatives, mais aussi la totalité des offres postales, in situ, en vrai, pour les expérimenter et aussi faire briller l'ensemble de nos partenariats. Donc on est là pour inventer, finalement. On est là pour inventer, mais aussi pour montrer les inventions et pour donner des idées aux entrepreneurs et grâce à l'UAE, aux auto-entrepreneurs, d'où le rendez-vous au Lab Postal du 8 et 9 février prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.